Si Dieu existe, il est peut-être inconnaissable, ou même absent. Mais pour des milliards de terriens, Dieu s'exprime à travers les textes des grandes religions qui témoignent de ses actes, de ses paroles, de ses commandements. Les preuves manquent toutefois, et les croyants cherchent volontiers de quoi étayer leur certitude afin de pouvoir croire aux promesses de justice transcendante et à la vie éternelle qui récompensera leur piété. L'événement du XXe siècle, le plus souvent évoqué pour attester de l'authenticité du message chrétien, est la danse du soleil de Fatima, qui a accompagné l'apparition de la Vierge Marie devant une gigantesque foule en l'an 1917 dans un petit village du Portugal. La force du récit est indéniable, mais un siècle plus tard, si l'on remonte au fil des textes, des témoignages, des faits vérifiables, devant quelle réalité nous trouvons-nous ? Croyants admettent que la foi est subjective, qu'elle relève d'une sensibilité face à l'inexpliqué et n'envisagent pas que Dieu ait approuvé quoi que ce soit. Mais les miracles servent souvent de preuve, et celui de Fatima est le plus populaire, car il s'agit d'un événement impossible dont ont été témoins pas moins de 70 000 personnes, nous dit la légende. La légende, c'est ce par quoi il nous faut commencer. Si nous sommes à Fatima aujourd'hui, c'est en vertu du pouvoir incroyable de l'histoire de trois enfants qui venaient faire paître leurs moutons ici même. Avant d'enquêter, avant de douter, de comparer, de vérifier, nous devons commencer par raconter la version officielle, en se gardant bien d'y croire d'emblée, afin de conserver ce qu'il faut de liberté mentale pour faire la part des choses. Il était une fois trois petits bergers âgés de 7 à 10 ans, Lucia, Francisco et Jacinta. L'histoire se déroule à côté du village portugais de Fatima, dans un lieu nommé la Cova da Iria, vers midi le 13 mai, dans un petit chêne vert. You are unhappy, my daughter. Only because of my mother. Nous sommes alors en pleine Première Guerre mondiale. Dieu envoie la Vierge à nos trois enfants occupés à faire paître les moutons de leur famille. La dame prie avec les enfants et leur donne rendez-vous au même endroit le 13 de chaque mois. Et la Vierge revient en effet le 13 juin, alors que déjà 500 fidèles sont rassemblés dans l'espoir de la voir. Le 13 juillet, les petits bergers reçoivent trois secrets et 2000 personnes sont rassemblées. La dame promet un miracle pour le 13 octobre. Le 13 août, 5000 chrétiens sont auprès du petit chêne où la dame apparaît d'ordinaire. Mais les trois enfants sont retenus ici même, à Oreim, par l'administrateur du canton, un anticlérical. Des éclairs lumineux et un petit nuage blanc planant au-dessus de l'arbre sont néanmoins interprétés comme des signes par les personnes rassemblées. Le dimanche 19 août, alors qu'ils s'occupent de leur troupeau sur la Cova da Iria, les enfants voient à nouveau la Vierge. Après une prière, elle renouvelle sa promesse concernant le 13 octobre. Le 13 septembre 1917, les fidèles sont 10 000, dit-on. Dans la foule, certains voient le même petit nuage blanc se placer au-dessus de l'arbre. Le 13 octobre 1917, pour la sixième apparition, près de 70 000 personnes se rassemblent à la Cova da Iria. Une pluie incessante, sous un ciel de plomb, inonde la campagne. À midi, les enfants sont conduits devant le chêne et récitent le chapelet. Alors que la pluie continue de tomber, Lucia ordonne de fermer les parapluies et la foule obéit. Peu après,
la Vierge apparaît, plus lumineuse que d'ordinaire. Elle se présente, Notre-Dame du Rosaire demande la construction d'une chapelle et conclut « Tous doivent se convertir, demander pardon pour leurs péchés et ne plus blesser notre Seigneur. » You promised to give us a miracle so the people will believe us. Après cela, Lucia crie, regardez le soleil. Look at the sun. Le soleil. Et les nuages s'écartent. C'est le miracle. La foule voit le disque solaire tournoyer, changer de couleur et s'approcher de la Terre. Ce furent des secondes terrifiantes, témoigne Gonzalo Xavier de Almeida Garrett, ancien professeur à la prestigieuse université de Coimbra. Des dizaines de milliers de pèlerins ont vu dans le ciel se produire des choses impossibles. On dispose de témoignages nombreux qui attestent que ce jour-là, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, ni depuis. Cette danse du soleil est considérée comme un fait inexplicable, merveilleux, un miracle. Jacinthe et François, après de grandes souffrances, vont au paradis. En revanche, la Vierge dit à Lucie, « Dieu veut que tu restes dans le monde pour faire connaître mon cœur immaculé. Ensuite, tu iras au paradis. » Lucie entre au couvent de Coimbra, où elle demeure jusqu'à sa mort, le 13 février 2005. Après la mort de Jacinta et Francisco, une fois Lucia entrée au couvent, un tout nouveau sanctuaire voit affluer les pèlerins. La reconnaissance officielle des apparitions par l'évêque n'arrive que 2 ans après la construction du sanctuaire. Celui-ci, gigantesque, est dominé par 2 basiliques de part et d'autre d'une esplanade de 28 hectares. Les 3 secrets confiés aux bergers par la Vierge le 13 juillet ne sont révélés que bien plus tard. Après 1941. Le premier est une vision de l'enfer qui terrifie les enfants, en particulier la petite Jacinta. Le deuxième est un message de la Vierge qui annonce la fin de la guerre et demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour en éviter une autre. Le troisième est une vision dans laquelle Lucia voit un massacre. Des soldats exécutent des évêques, des prêtres, des religieuses et religieux, ainsi que le pape. Jean-Paul II fera référence à cette vision après avoir survécu à un attentat. Le 13 mai, 1980. Aujourd'hui plus fréquentée que Lourdes, Fatima est de loin le sanctuaire le plus visité d'Europe. Les pèlerins étaient 6 300 000 en 2019. L'importance même de ce pèlerinage entérine le miracle de 1917. Difficile d'imaginer qu'on puisse être si nombreux à y croire si tout cela n'est que fiction. Cette version officielle de la légende peut faire forte impression. Mais elle suscite aussi, j'en suis sûr, votre curiosité. Vous vous demandez, comme moi, qui a vu quoi? Comment a-t-on pu attester que c'est bel et bien la Vierge qui apparaissait aux enfants? Comment a-t-on démontré que le soleil a bel et bien dansé dans le ciel? C'est important, parce que si c'est vrai, alors nous avons là la preuve de l'existence de Dieu, rien de moins. Le nombre de témoins concernés, l'importance du sanctuaire aujourd'hui, la portée des conséquences de cette histoire, tout nous incite à prendre au sérieux la danse du soleil. Il serait imprudent de tout croire d'emblée, comme de tout rejeter en bloc. Il faudrait employer une méthode adaptée au traitement d'une histoire que des témoins rapportent sur un phénomène dont on ignore au moins en partie la nature, les contours, les implications. Ce regard méthodique et aussi neutre que possible, nous pouvons le trouver en épousant la démarche, ça pourrait vous surprendre, de l'ufologie sceptique. Les ovnis sont des phénomènes rapportés par de nombreux témoins, parfois des dizaines ou des centaines. Et les enquêtes menées pour faire la part des choses nous renseignent sur la meilleure manière de respecter les témoins sans abolir notre esprit critique. Le phénomène ovni, aujourd'hui très célèbre, est totalement inconnu en 1917.
Les premiers témoignages d'aéronefs non identifiés remontent à la Seconde Guerre mondiale. Le concept de soucoupe volante dérive du témoignage de l'Américain Kenneth Arnold en 1947. La même année, l'affaire Roswell donne le top départ d'une flambée mondiale d'observations d'anomalies célestes associées à des technologies inconnues. On perçoit une présence extraterrestre dans des choses qui, autrefois, auraient été interprétées sur un mode religieux. En matière de surnaturel ou de paranormal, un témoignage n'est pas une preuve. Sans quoi serait prouvée la télépathie, mais aussi la vie après la mort, la divination par le tarot, la communication avec les ancêtres, les déambulations du Getty ou du monstre du Loch Ness, l'origine ancestrale des impossibles pierres d'Ica, le pouvoir mystérieux des crânes de cristal, les effets de la prière sur la santé, les vertus anti-cancer d'une cure quotidienne d'urine, le complot reptilien cachant au peuple l'immense trou du pôle Nord permettant d'entrer à l'intérieur de notre planète creuse, etc. Rien n'est plus facile que de juger totalement absurdes et idiotes ces histoires. Je parie que 1000 témoignages ne sauraient vous convaincre qu'une grande guerre fait actuellement rage dans l'espace et que seuls les médiums peuvent vous en rendre compte grâce à leur connexion avec la Fédération Galactique. Dans bien d'autres contextes, les témoignages humains sont utiles et précieux. Mais ils ne sauraient suffire lorsqu'il s'agit d'affirmer l'existence d'un phénomène par ailleurs inconnu ou en contradiction avec l'état des connaissances. Et c'est bien ce que nous apprend avant tout l'ufologie, lorsqu'elle est pratiquée avec méthode. Il est difficile d'imaginer qu'une foule de milliers de personnes puisse voir quelque chose qui n'est pas là. En dehors de rituels chimiquement assistés, les hallucinations collectives semblent hautement improbables. C'est bien pour cela que la danse du soleil de Fatima revêt une telle importance. Elle semble défier toute explication échappant au surnaturel. On ne peut pas écarter d'un revers de la main des milliers de témoignages sincères aussi facilement qu'on se permet de douter d'un individu qui prétend avoir assisté à l'impossible. Le destin de nombreux témoignages d'OVNI est de ne convaincre personne et de tomber dans l'oubli, mais on croise des cas exceptionnels. Le 27 octobre 1954, à Florence, un match de foot se joue au stade Artemio Franchi devant 10 000 personnes. Soudain, un spectacle aérien attire l'attention de tout le monde, à tel point que l'arbitre arrête le match. Quelque chose d'anormal traverse le ciel au-dessus du stade. Un habitant de Prato, au nord de Florence, décrit l'apparition d'un rayon de lumière blanche dans le ciel. Gigi Boni, supporter présent ce jour-là, dit « Ils bougeaient très rapidement, puis se sont arrêtés. » Cela a duré quelques minutes, je pourrais les décrire comme des cigares cubains, déclare un autre. On passe d'un cigare à la forme d'un œuf, un joueur le décrit comme un chapeau chinois. Aucune enquête n'a été menée à l'époque en dehors du recueil de quelques témoignages interloqués. On n'a jamais pu expliquer à ces gens ce qu'ils avaient vu. Faut-il conclure qu'un vaisseau spatial était impliqué ? Aujourd'hui, grâce à l'expérience accumulée par l'étude des pannes, les phénomènes aériens non expliqués, notamment au GEPAN, nous sommes en mesure de revenir sur le cas de 1954. Vous serez peut-être aussi surpris que je le fus d'apprendre que de minuscules araignées sont capables de fabriquer des montgolfières en sécrétant un fil de soie qui génère une traînée et permet à l'animal d'être porté par des masses d'air lors des journées ensoleillées. Des acariens et des lépidoptères adoptent la même méthode de dispersion saisonnière, particulièrement en automne. Ces organismes appartiennent à ce qu'on appelle le plancton aérien. Les nuages d'araignées suspendues peuvent avoir des aspects très différents, en fonction de la lumière ou de l'angle sous lequel on les regarde. Il est à noter qu'en dehors du stade, personne ne déclare avoir vu un phénomène étrange. Les ufologues, adeptes de l'origine extraterrestre, n'acceptent pas cette explication qui va à l'encontre de leurs croyances. Quand un récit s'est installé, quand les témoins d'un événement ont donné leur version de ce dont ils se souviennent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont perçu, souvent, même une enquête rigoureuse ne peut les convaincre que c'est autre chose qui s'est passé devant eux. Telle est la leçon que nous donne l'ufologie sceptique. Sur l'étrange affaire de Fatima, toutes les interprétations ne furent pas religieuses. Tout le monde n'est pas d'accord pour voir un phénomène surnaturel dans la danse du soleil. Pour certains, c'est un contact extraterrestre. La phénoménologie de Fatima appartient à la catégorie de la phénoménologie ovnienne. Le poids de l'évidence indique que la danse du soleil de Fatima fut l'expression d'une rencontre rapprochée avec un ovni plutôt qu'un miracle de type religieux.
plusieurs auteurs du monde de l'ufologie défendent cette position, comme Jacques Vallée. Dans son livre « Le Collège Invisible », paru en 1975, il indique que la série d'apparitions de Fatima commence 2 ans avant, par une affaire d'OVNI parfaitement classique qui correspond à des rencontres de la petite Lucia avec des anges en 1915 et 1916. Selon lui, des détails comme le grondement et le vent puissant qui accompagnaient la dernière apparition, ou encore la paralysie qui aurait frappé des témoins, plaident en ce sens. Il ajoute que les événements de Fatima mettent en scène des boules lumineuses, des lueurs aux couleurs étranges, des phénomènes de chaleur typiques des récits d'OVNI, et la fameuse descente en feuilles mortes des soucoupes qui s'approchent du sol en zigzag. Le contre-amiral Gilles Pinon, cadre de réserve, diplômé de l'école navale ainsi que de l'école nationale supérieure des techniques avancées, est sur la même ligne. Il réussit à élucider le mobile et la stratégie des aliens. En fait, l'aspect virginal du phénomène, apparition le 13 de chaque mois, serait un camouflage délibéré de leur part. Si les extraterrestres sont venus déguisés en jeunes filles, c'est pour utiliser une religion humaine afin que leur visite soit prise au sérieux, dans le projet d'un contact à nouer à plus long terme. Le rapprochement entre les extraterrestres et la religion n'est évidemment pas sans rappeler la théorie des anciens astronautes, qui interprètent les mythologies et religions anciennes comme les traces de visites d'êtres venus de l'espace. Les livres sur le sujet abondent. La fiction n'est pas en reste. Il y a probablement une leçon à tirer du regard ufologique sur les mariophanies. There's only one answer to this, and that is extraterrestrials. Reconnaissons qu'il est peu probable que les extraterrestres organisent un son et lumière à Fatima en 1917, puis fassent silence radio pendant un siècle avec ici ou là une vague d'apparition ou une petite abduction de temps en temps. C'est peu probable, mais, et tout est là, cela ne rentre pas en contradiction avec ce qu'on sait sur l'univers. Et s'il fallait parier sur l'une des deux hypothèses en excluant toutes les autres, d'un côté les extraterrestres et de l'autre la Vierge, les zététiciens, les sceptiques et la plupart des rationalistes parieraient plutôt sur l'hypothèse des extraterrestres. Cela ne veut pas dire qu'il faut y croire, mais qu'on peut comparer la crédibilité des hypothèses en présence de manière méthodique. Une explication alternative a toutes les chances d'être plus raisonnable qu'un vaisseau spatial ou la Vierge Marie, même si elle répond moins à nos attentes psychosociales. Mais pour avoir une telle explication, il faut revenir aux sources. Il faut s'intéresser aux faits vérifiables et au contexte dans lequel l'histoire s'est déroulée, puis a été racontée. Les événements de Fatima sont à replacer dans le contexte de leur époque et des traditions du monde chrétien dans lequel la Vierge apparaît en maints endroits. Le phénomène a même un nom, les mariophanies. Et nous allons voir que les éléments constitutifs du récit de Lucia, qu'elle livre dans ses mémoires 30 ans après les faits, sont déjà présents dans la culture chrétienne depuis longtemps et ont imprégné l'imagination des trois petits bergers. Il n'existe pas de registre inventoriant toutes les apparitions de la Vierge. Nous ne disposons pas non plus d'un moyen simple pour distinguer les affabulations de ce qui serait véritablement d'ordre surnaturel. Pour nous rapprocher de l'état d'esprit des témoins de 1917, nous allons simplement citer les cas d'apparition les plus connus. Cela va peut-être vous surprendre, chers amis du XXIe siècle, mais il fut un temps où la Vierge Marie apparaissait souvent, très souvent. Plus de 20 000 apparitions sont répertoriées depuis l'an 1000. Walsingham, Prouille, Salette, Lourdes, Zétoune, Green Bay, Guadeloupe, Pontmain, Notre-Dame-du-Lot, Borin, Banneux, Akita, Betania, Medjugorje, Garabandal, Dozulé, Keresinen, San Damiano, Edfou, Choubra, Assiout, Yankalila, Saint-Nicolas, Gertzwald, Soufanie, Lipa, Fribourg, Besside, Fréchoux, Satonnet, El Palmar de Troya. Il faudrait des dizaines d'heures pour toutes les passer en revue. Les cas les plus célèbres du 19e siècle sont ceux de la Salette et de Lourdes. Le 19 septembre 1846, sur la montagne de la Salette, en Isère, Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calva, 14 ans, deux petits bergers, voient la Vierge. Elle ne leur apparaît qu'une seule et unique fois, en pleurs. Son message est funeste. « On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur. On jure sans cesse, en ne respectant pas le nom de mon fils. Si mon peuple ne se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. » Une église est construite sur le site. Mélanie tente de rentrer dans les ordres, mais sa propension à déclamer des prophéties de fin des temps fait échouer ses projets. Bien que cela soit systématiquement mis de côté, l'histoire de la Salette a fini par se régler au tribunal.
L'évêque de Grenoble, Monseigneur de Bruyard, s'était empressé de décréter l'authenticité de l'apparition contre les avis de beaucoup d'hommes d'église, parmi lesquels son supérieur hiérarchique, le cardinal de Bonald. Les abbés Déléon et Cartellier écrivent deux livres pour dénoncer la supercherie, mettant en cause une certaine constance de la Merlière, qui décide alors de les attaquer en justice. Elle est déboutée par le tribunal de Grenoble, par un jugement du 25 avril 1855, dont voici un extrait. Attendu que s'ils, les auteurs, ont parlé de la demoiselle de la Merlière, c'est pour rappeler que certains actes et propos de cette demoiselle, suffisamment constatés dès à présent, pouvaient autoriser à penser que c'était elle qui s'était montrée, le 19 septembre 1846, sur la montagne de la Salette. Attendu que la bonne foi des auteurs ne saurait être mise en doute en présence des faits reconnus et suffisamment établis par les documents produits. Dans le livre d'un certain Sabatier, on peut lire des lettres de Constance de la Merlière, se disant missionnée par Dieu et se donnant beaucoup de mal, en vue de faire refleurir et prospérer notre sainte religion. À la page 231, on dit qu'elle entreprenait de faire un voyage de prédication et qu'on l'avait déjà vue auparavant dans un accoutrement insolite, avec une robe arborant les instruments de la passion de Jésus-Christ, soit exactement tel que les enfants de la Salette décrivirent la Sainte Vierge. Page 212, on lit aussi que l'apparition de la Salette a eu plusieurs clones, mais que les enfants qui témoignèrent, mêmes habits, même langage mystique, mêmes avertissements, furent priés de se taire, sans quoi on les menaçait de ne pas être admis à faire leur première communion. Tout cela n'empêche pas la légende de perdurer, ni le sanctuaire de la Salette d'accueillir environ 300 000 pèlerins par an. L'histoire de la Salette de 1846 cause beaucoup de débats dans la société et prépare le terrain aux émois provoqués à Lourdes quelques années plus tard. En 1858, ont lieu les célèbres visions de Bernadette Soubirous à Lourdes, alors âgée de 14 ans. En l'espace de 6 mois, elle reçoit 15 visites d'une jeune fille qui finira par se présenter comme l'Immaculée Conception. Le message de la Vierge est « Pénitence, priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » L'histoire de la petite voyante fait sensation. Des milliers de personnes l'accompagnent à la grotte de Massabielle. Ils sont 8000 le 4 mars. La Vierge apparaît, mais toujours aux seuls yeux de Bernadette. Quand Bernadette semble rendre la vue à une petite fille malade, la foule est en liesse. Mais la petite Eugénie n'est pas guérie et elle meurt un an plus tard. Une épidémie de visionnaires en extase a lieu à Lourdes par la suite. Les apparitions sont officiellement reconnues en 1862. Elles valident le dogme de l'Immaculée Conception, prononcé en 1854 par le pape. Commence alors immédiatement la construction d'un sanctuaire. Bernadette, de santé fragile, meurt à 35 ans en 1879. Notons que la Vierge visite souvent les Pyrénées aux alentours de Lourdes. En 1515, à Bétarame, elle sauve une jeune fille de la noyade. Vers 1520, à Garaison, une petite bergère de 12 ans, anglaise de Sagazan, voit la Vierge, qui lui demande la construction d'une chapelle. À Nouillan, en 1848, la Vierge apparaît plusieurs fois dans une église en ruine, à 11 voyants au total, ce qui conduit à la reconstruction du bâtiment en 1856. La Vierge aime beaucoup les métiers du bâtiment. Le 17 janvier 1871, à Pontmain, en Mayenne, 7 enfants de 2 à 12 ans ont vu une belle dame dans le ciel. L'apparition a lieu en plein jour, dans le village, au-dessus d'une maison, mais sans qu'aucun adulte ne puisse rien voir. 3 des témoins sont reconnus comme voyants par l'église. Parmi les voyants, le petit Eugène, 6 ans, infirme, mourra le 4 mai suivant. Une basilique est construite sur place en 1890. Chaque année, 300 000 pèlerins de France et du monde visitent le lieu de l'apparition. En décembre 1920, soit près de 50 ans plus tard, Jeanne-Marie Le Bossé, qui avait 9 ans au moment des faits, se rétracte. J'allais avec mes compagnes, poussé par un sentiment de curiosité naturelle. Arrivé à la grange, j'entendis dire « Oh la belle dame !» Sans trop réfléchir, par légèreté, voulant voir comme les autres, je me laissais aller à répéter moi aussi « Oh la belle dame !» Et depuis ce moment, je ne fis que répéter ce que dirent les autres. Je fus presque obligé de continuer le premier mensonge que j'avais fait, parce que la foule accourut, presque aussitôt, et que je ne voulais pas me donner un démenti devant elle. Je ne soupçonnais nullement l'importance qu'allait prendre l'événement, et je fus bien effrayé quand je vis qu'au contraire, chacun voulait nous interroger. Je continuais à mentir, et je ne m'explique pas encore comment mes paroles ont toujours été concordantes avec celles des autres, et comment j'ai pu ne pas varier dans mes déclarations. La Vierge apparaît à Estelle Faguette en 1876, à Pelle-Voisin, dans l'Indre.
De juin à septembre 1877, elle réalise plus de 160 apparitions à Greifswald, un village polonais, pour deux fillettes de 12 à 13 ans. Le sanctuaire marial de Greifswald reçoit annuellement 1 million de visiteurs. Elle n'apparaît qu'une fois à Knock, en Irlande, le 21 août 1879, accompagnée de Saint Joseph, Saint Jean et Jésus. Le pèlerinage au sanctuaire de Knock attire plus d'un million de visiteurs par an. De novembre 1932 à janvier 1933, la Vierge apparaît à 5 enfants âgés de 9 à 15 ans à Beaurain dans la province de Namur en Belgique. Une vingtaine d'apparitions jugées mimétiques sont signalées en Belgique au cours de l'année 1933. Ankerzele, Lokeren-Naatsveld, Berchem-Anver, Wilrijk, Etikhove, etc. Seules les 5 apparitions survenues à Banneux entre le 15 janvier et le 2 mars 1933, devant la petite Margaret Beko, âgée de 11 ans, sont reconnues authentiques. De nos jours, Banneux reçoit 500 000 pèlerins chaque année, soit 5 fois plus que le sanctuaire de Beaurain. Depuis 1981, à Medjugorje, situé aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, la Vierge apparaît à 6 adolescents, de 10 à 20 ans. La Gospa est une madone particulièrement loquace qui annonce vouloir donner des messages comme jamais auparavant dans l'histoire. Comme ailleurs, l'apparition demande surtout qu'on prie, qu'on lise la Bible, qu'on se confesse. Le ciel de Medjugorje serait le théâtre de phénomènes comparables à celui de Fatima, avec un étrange soleil et de nombreux témoignages d'une danse inhabituelle. En 2011, le physicien italien Valerio Rossi Albertini se rend sur place avec du matériel adapté à l'observation du soleil. Hélas, dans ces conditions, le miracle que les gens présents estiment avoir sous les yeux n'est plus observable. L'Église n'a pas authentifié ces apparitions, mais en dépit de condamnations épiscopales répétées dans les premières décennies des événements, elle autorise désormais les pèlerinages diocésiens depuis mai 2019. Pourquoi ? Le directeur de la salle de presse du Vatican explique « Étant donné le flux notable de personnes qui se rendent à Medjugorje et les abondants fruits de grâce qui en ont découlé, une telle disposition s'insère dans l'attention pastorale particulière que le Saint-Père a voulu donner à cette réalité, destinée à favoriser et à promouvoir les bons fruits. » On pourrait citer des centaines d'autres cas, du Japon au Brésil en passant par l'Égypte, le Rwanda ou l'Australie. Les apparitions mariales sont un phénomène courant. D'importantes foules sont mobilisées sur la foi parfois d'un seul témoignage, ou du bouche à oreille de ceux qui ont assisté à une apparition où il n'y avait strictement rien à voir, à part un ou plusieurs enfants en prière ou dialoguant dans le vide. On dépense des fortunes pour se rendre sur place et pour y édifier des bâtiments permettant d'accueillir pèlerins et curieux. Tout cela est à la fois très illogique et complètement banal. Le miracle du soleil, où l'astre du jour se déplace devant une foule, ou prend des couleurs changeantes et apparemment inexplicables, s'il semble nouveau en 1917, devient très à la mode par la suite, en particulier en association avec une apparition de la Vierge, comme à Ghiaie di Bonate, Acquaviva Platini, Necheda, Zicovice, Balestrino, San Damiano, Lubbock, au Mother Cabernet Shrine, près de Denver, Conyers, Kibeho ou Benin City. Tous ces récits ont pour point commun, et ce n'est pas trivial, d'avoir survécu jusqu'à nous. Combien d'autres témoignages d'apparitions ont été émis à diverses époques sans qu'ils marquent les esprits et ne laissent aucune trace dans l'histoire ? Probablement beaucoup. Au fil des apparitions, les Saintes Vierges sont très différentes. La douce Madone de l'île Bouchard tient un discours beaucoup plus apaisé que celle de Fatima ou de la Salette. Même la Gospa de Medjugorje, qui n'a jamais rien dit d'intéressant et quoique faisant allusion une fois à son alter ego portugais de 1917, ne profère jamais de menaces aussi terribles, ni ne glorifie la souffrance. Étrange. Les plus célèbres d'entre elles ont demandé la construction d'un bâtiment. Ou plus exactement, c'est à travers les pèlerinages dans leur sanctuaire que leur mémoire se perpétue. Aucune information précieuse pour l'humanité, pour la paix,
pour l'avancement, le progrès, la fin des conflits, qu'ils soient ou non religieux, n'est apporté par l'entité envoyée par le Créateur. La croyance, la ferveur, la recherche d'attention, la contagion, l'exagération, le désir de preuve et les intérêts politiques ou pécuniaires des autorités spirituelles locales sont des explications frustrantes, mais efficaces et économes pour rendre compte de ces événements. Les récits d'apparitions mariales mobilisent des foules importantes, sont nimbés d'histoires de guérisons étonnantes, mais brillent aussi par l'absence cruelle d'un miracle fort, collectif, convaincant. En toutes ces occasions, les immenses foules rassemblées ne font pas d'expérience commune. Mais si un millier de voyants donne rendez-vous à des foules désireuses de voir un signe dans le ciel, fortes sont les chances pour qu'un de ces groupes, au moins, soit témoin d'une anomalie immédiatement interprétée comme un signe. Il fallait bien que cela arrive un jour. Et c'est sans doute à Fatima que cela s'est produit. C'est pourquoi les événements de 1917 sont aussi précieux pour les croyants désireux de détenir une preuve. Pour savoir ce qui a été dit au moment où les faits se sont déroulés, il faut s'en tenir aux sources les plus proches des faits. D'abord, les Documenta Sao Critica de Fatima sont une collection de documents produits entre 1917 et 1930 et compilés par le père Gemma Alonso en tant qu'archiviste du sanctuaire. Cette documentation ne fut rendue publique qu'en 1992, mais c'est d'elle que nous parviennent les témoignages les plus précieux puisque les plus contemporains des faits, en portugais cependant. Ensuite, les mémoires de Sœur Lucie, dont une première publication a lieu en 1942. Dans ce document, Lucia dos Santos fait le récit de son expérience à Fatima. Était-il 70 000 rassemblés dans la Cova da Iria? Le chiffre circule, mais naguère on parlait de 30 000, et avant cela d'un peu moins. Il n'est pas rare de voir une telle exagération se produire au fur et à mesure qu'une histoire est colportée. Le journal Ose Culo se contente de dénombrer au moins 100 voitures et 100 vélos, ce qui n'est pas très précis et ne plaide pas en faveur de chiffres immenses. Pas plus que les quelques photos de l'événement. La véracité du nombre n'est pas un détail. Elle montre ce à quoi nous avons accès. Ce ne sont pas les faits de 1917, mais le récit de ceux qui s'y sont intéressés et ont laissé des traces, les seuls qui nous restent un siècle plus tard. D'abord, il nous serait utile de comprendre un peu mieux qui étaient ces enfants, et en particulier la plus loquace des trois, Lucia dos Santos. La petite Lucia dos Santos est très pieuse. Ah, ça oui. Sa maman enseigne le catéchisme aux enfants du village. Elle était si démonstrative dans sa foi qu'elle fut admise à sa première communion dès l'âge de 6 ans, alors qu'il faut généralement en avoir 10. Après cette cérémonie, selon ses mémoires, j'ai perdu le goût et l'attrait pour les choses du monde. Je ne me sentais bien à la maison que dans des endroits solitaires où, toute seule, je pouvais me rappeler les délices de ma première communion. L'imaginaire transmis dans les récits des apparitions de Fatima est l'imaginaire courant des adultes et des enfants de cette époque-là. En 1917, personne ne voyait d'extraterrestres ou de monstres du Loch Ness, mais les apparitions de la Vierge étaient monnaie courante. La carrière de bergère de Lucia commence quand elle a 8 ans, en 1915. Lucia n'est peut-être pas très impressionnée devant la Vierge de 1917, car elle a déjà rencontré un ange, trois fois en 1915 et trois fois en 1916. Ça ressemblait à une personne enveloppée dans un drap, dit-elle, en ajoutant que on ne voyait ni ses yeux, ni ses mains. À cette époque, personne ne croit Lucia, ni ses cousins. Sa mère est très embarrassée quand se répand l'histoire racontée par Lucia. Elle amène sa fille devant le curé pour qu'elle se rétracte. « Il me semble qu'elle n'est qu'une menteuse qui trompe la moitié du monde, » dit-elle. L'histoire des apparitions de 1915 et 1916 restera méconnue jusqu'en 1937. Ni Jacinta, ni Francisco n'en souffleront mot à quiconque avant de mourir. Et puis, nous arrivons en 1917. Et cette fois-ci, l'histoire d'une apparition de la Vierge a plus de succès que celle de l'apparition d'un ange. Les gens y croient. Et ils viennent nombreux le 13 de chaque mois, attentifs, désireux de voir quelque chose. Sauf qu'ils ne voient rien.
Lucia annonce que la Vierge promet un miracle afin que tous croient pour le 13 octobre. Alors ce jour-là, l'attente est à son paroxysme. Les gens ne se sont pas déplacés pour n'assister à rien. Mais qu'allait-il se passer ? Fallait-il regarder le fameux petit nuage blanc ? Attendre le jaillissement d'une source ? Espérer des guérisons ? Tous les prodiges étaient dans l'air. Tous les signes étaient les bienvenus. Depuis l'apparition du mois de mai, on espérait tellement voir quelque chose et on était constamment déçu. Le jour J, au milieu de la foule, le petit chêne vert est mort. Dépouillé de ses branches par des fidèles en quête de connexion avec le divin, il ne reste plus de lui qu'un petit tronc d'une dizaine de centimètres. C'est pas celui-là. Ça, c'est... C'est même pas un chêne, je crois. Mandax, c'est quoi l'arbre ? Alors ça, c'est... Nous n'avons aujourd'hui aucun enregistrement sonore, ni vidéo, ni image de ce phénomène solaire, en dépit de la présence de nombreux journalistes et photographes. Ce qui est factuel et indéniable, car capté par quelques photographies, c'est la présence de très nombreuses personnes qui regardent vers le soleil à 13 heures, sans aucune protection pour leurs yeux. Ce détail n'en est pas un, et nous en reparlerons au moment d'élucider cette affaire. Que le soleil ait vraiment dansé ou pas ce jour-là, il est faux en tout cas de dire que tous les gens présents en furent témoins. L'auteur Kevin McClure publie une enquête sur les apparitions mariales en 1983, où il relate l'extraordinaire hétérogénéité des témoignages. Je n'ai jamais vu une telle collection de comptes rendus contradictoires dans aucun des cas sur lesquels j'ai enquêté ces 10 dernières années. Pour cause, en bonne partie, presque rien n'a été écrit sur Fatima avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la plupart des commentaires catholiques datent des années 50. Il n'est pas idéal de commencer à écrire sur un événement seulement 30 ans plus tard. En outre, le matériel original publié au moment des visions s'est par la suite confondu avec le contenu des mémoires publiées par Lucia en 1942. Selon McClure, moins de la moitié des gens présents ont effectivement vu un phénomène solaire, et leurs descriptions ne correspondent pas. Le soleil a fait un tour sur lui-même, ou il s'est déplacé en zigzag, il s'est entouré de flammes jaunes et pourpres, ou bien il est passé du jaune au bleu, puis au blanc, il s'est irisé comme une perle, ou bien il est tombé, il s'est effondré vers la terre avant de remonter. Parmi ceux qui ne virent pas une roue en flammes, certains reconnurent une sorte d'avion, qu'ils appelèrent aussitôt « avion de Notre-Dame ». Les témoins donnent des descriptions variées, qui seront par la suite rassemblées en un récit censé être représentatif, mais que personne n'a vu. Certains disent même avoir vu la Vierge Marie, seule ou avec l'enfant Jésus. Ceux qui n'ont rien vu ne l'ont pas crié sur tous les toits, bien sûr. Mais il est sans doute utile de souligner que parmi ceux qui étaient présents, mais qui n'ont pas observé ce miracle du soleil, se trouve Lucia en personne, qui répondit au père McGlynn en 1947 « Moi, je n'ai rien vu ». La légende veut que le récit des trois enfants n'ait jamais varié au fil du temps, mais la réalité, c'est que l'essentiel du récit date d'après 1942, bien après la mort des deux cousins de Lucia. Ce que Lucia elle-même dit avoir vu varie au fil du temps également. Par exemple, l'apparence de la Vierge change d'une occurrence à l'autre. Que l'on accepte ou pas qu'un phénomène solaire inexpliqué, inexplicable ait eu lieu, il faut se demander quel était le miracle prévu pour le 13 octobre. Si une intervention divine a lieu devant une audience aussi large, il faut bien que cela ait un but. Pour la Lucia de 1917, cela ne semble faire aucun doute. Le miracle promis par la Vierge, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on apprend dans le compte rendu du prêtre Manuel Nunes Formigao, qui s'entretient avec Lucia le 19 octobre 1917. Les journaux rapportent qu'il y a eu des combats depuis le 13. Comment expliquer cela si la Vierge a dit que la guerre s'était terminée ce jour-là ? Je ne sais pas, répond Lucia. Je sais seulement que je l'ai entendu dire que la guerre se terminait le 13. Je ne me souviens plus très bien comment elle l'a dit. Peut-être ne comprenais-je pas bien la dame. Puisque la guerre n'a pas pris fin, n'est-il pas raisonnable de chercher une explication plus prosaïque à cette histoire devenue enjeu de croyances, de ferveur, de pouvoirs politiques et de projets immobiliers et commerciaux ? La légende du miracle de Fatima raconte que la Vierge Marie apparaît aux seuls yeux des trois jeunes enfants. Seule Lucia parle avec l'apparition, Jacinta voit et entend la Vierge, mais sans jamais vraiment la comprendre, et Francisco, lui, n'entend rien. Les témoins de la danse du soleil, quand bien même ils étaient 70 000, n'ont pas vu la Vierge.
S'il nous revient d'expliquer l'étonnante masse des témoignages concernant le phénomène aérien du 13 octobre, la présence de la Vierge, par contre, n'est pas un fait investigable. Une approche critique consiste à comparer les deux hypothèses principales suivantes. Première hypothèse, la Vierge Marie est bel et bien apparue à plusieurs reprises à ses enfants. Leur a montré une vision de l'enfer et leur a dit notamment « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs ?» Deuxième hypothèse. Tell them you lied. I didn't lie, Mama. It's the truth. Truth, or I'll teach you the truth. La jeune Lucia a inventé cette histoire et embrigadé ses deux petits cousins qui se sont retrouvés bien vite incapables de faire machine arrière, comme c'est arrivé à Jeanne-Marie Le Bossé lors de l'affaire de Pontmain en 1871. Il est un peu malpoli de traiter de menteuse une femme dont l'Église étudie la potentielle béatification. Sans trancher définitivement, on peut tout de même verser au dossier des indices concernant la fiabilité de la parole de celle que l'Église a très très vite choisi de cloîtrer et de maintenir dans le silence. En 1998, dans une interview pour le mensuel portugais Christus, Lucia dos Santos a déclaré « Jean-Paul II a évité une guerre nucléaire en consacrant la Russie à la Vierge Marie en 1984 ». La religieuse affirme aussi que Mikhail Gorbatchev, lors de son entretien avec le pape de décembre 1989, s'est agenouillé à ses pieds et lui a demandé pardon pour les péchés qu'il avait commis pendant toute sa vie. Le porte-parole du Vatican a démenti une information qui n'a aucun rapport avec la réalité. Le geste attribué à l'ancien homme d'État soviétique n'est ni avéré ni vraisemblable. Ce goût pour l'invention remonte peut-être à l'enfance de la voyante. Mettons de côté la figure de la Vierge Marie pour nous concentrer sur ce qui fait vraiment la force de cette histoire. Des milliers de personnes ont vu une chose totalement impossible, sidérante, effrayante parfois, et ce en ayant répondu présent à l'appel de trois bergers en contact avec un être invisible. Et c'est cela qu'il faut expliquer, parce que c'est cela qui est réputé inexplicable et conduit donc à l'affirmation de l'existence d'un miracle. Comment rendre compte des nombreux témoignages de ce jour-là? On a évoqué la possibilité que la météo ait joué un rôle. Des cristaux de glace en altitude auraient pu produire des phénomènes de parélie. La couverture nuageuse a pu donner au soleil un aspect anormal, faire apparaître des faux soleils ou autres effets d'optique produits par la réfraction des rayons dans l'atmosphère. Mais aucune donnée météorologique n'indique que des conditions anormales étaient réunies le 13 octobre à cet endroit. Revenons à la Cova da Iria, à cette foule massée dans un champ depuis des heures, venue de loin, fervente, tendu vers la promesse répercutée dans la presse d'un miracle donné aux yeux de tous, pour que chacun puisse y croire. Tous ces gens partagent une espérance, scrutent les environs où la Vierge a pris ses quartiers. Cette fois, c'est promis, on va voir quelque chose. Et pourtant, comme chaque fois, seuls les enfants disent voir la Vierge. Alors quand quelqu'un, Lucia peut-être, mais rien n'est moins sûr, a dit « Regardez le soleil !» Les milliers de perdus qui se sont dirigés vers cette source lumineuse étaient en demande criante de surnaturel. Il suffit d'un indice, d'une suggestion, d'une anomalie ou d'une illusion pour créer une perception d'autant plus contagieuse que les premiers à l'éprouver s'empressent de dire aux autres ce qu'ils doivent trouver. À cette explication de nature psychologique et sociale, il convient d'en ajouter une physiologique qui est probablement à l'origine de tout. Il est fortement déconseillé de regarder le soleil sans protection, surtout en plein milieu de la journée. Le physicien belge Joseph Plateau, professeur de physique à l'université de Gand, raconta l'expérience qui lui brûla la rétine en 1829, et qui consistait à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes. Les dommages provoqués ont probablement été la cause de la cécité définitive du physicien 14 ans plus tard. Plateau a travaillé sur le phénomène de la persistance rétinienne.
Un objet très lumineux laisse une empreinte dans notre champ de vision qui apparaît d'une couleur différente de la source lumineuse d'origine. À cela s'ajoute un phénomène de protection de la rétine. Les yeux bougent constamment pour éviter d'exposer toujours la même zone au fort rayonnement. Dès lors, l'image du soleil se déplace sur la rétine, ce qui peut donner l'impression que le soleil danse. En outre, apparaissent plusieurs images rémanentes de différentes couleurs. Au milieu d'une foule qui crie au miracle, cette perception inhabituelle peut vous convaincre que vous êtes en présence de quelque chose de fabuleux. La danse du soleil de Fatima est certainement la conséquence d'un concours de circonstances exceptionnelles. Une tradition qui accorde du crédit aux apparitions de la Vierge, la ferveur intense de la petite Lucia, sa tendance à raconter des histoires captivantes, le rassemblement régulier d'une foule en attente d'un signe, un ciel pluvieux qui se dégage et vers lequel des yeux imprudents se tournent, les effets du soleil sur un organe qui n'est pas du tout adapté à cet exercice, l'interprétation religieuse des perceptions générées à cette occasion, la contagion au travers de la foule de l'expérience anomalistique vécue par quelques-uns, et puis la force du récit répercutée dans les médias, puis dans les livres, des témoignages qui se nourrissent les uns les autres. Et enfin, l'utilité que revêt un tel récit pour valider les croyances partagées par plus d'un milliard de fidèles et les profits engendrés par le tourisme spirituel. L'explication que nous venons d'apporter n'a pas le charme de la légende. Elle est terriblement terre-à-terre, ne constitue pas un narratif capable d'entrer en compétition avec la ferveur suscitée par trois petits bergers ignorants, visités par la Mère de Dieu. C'est tout le problème des récits séduisants, engageants, satisfaisants. Nous les aimons, nous les partageons, en y croyant plus ou moins, et ils circulent. Ils circulent beaucoup mieux que la version que nous venons de vous exposer parce que la vérité a presque toujours un handicap fatal. Elle fait une moins bonne histoire. Les bonnes histoires sont précieuses, elles nous réconfortent, elles nous consolent ou nous galvanisent, mais elles ne savent pas toujours être vraies. C'est une qualité plus rare. Nous ne pouvons pas finir cette enquête en nous arrêtant simplement sur une version plus crédible des événements. Il nous faut regarder en face le sort réservé à trois enfants illettrés, emportés par une histoire qui les dépassait. Le 13 mai 1917, que dit la Vierge aux enfants? Elle les encourage à des sacrifices expiatoires. Voulez-vous offrir à Dieu, pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs? La Vierge Marie n'a pas mis fin à la Première Guerre mondiale, ce qui aurait été une bonne chose. Le 25 mars 1984, le pape Jean-Paul II a répondu à la prétendue demande de la Vierge avec une cérémonie visant à consacrer la Russie au cœur immaculé de la Vierge. Selon Mgr Tarcisio Bertonet, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Lucia a personnellement confirmé en 1989, dans une lettre, que cet acte de consécration solennelle et universelle correspond à ce que la Vierge voulait. « Oui, dit-elle, cela a été fait comme l'avait demandé la Vierge. » La Vierge de Sœur Lucia aurait annoncé en 1917, mais personne n'en sait rien avant 1942, la Seconde Guerre mondiale, en désignant la Russie comme source de tous les maux, mais sans rien dire des horreurs du nazisme et en oubliant en particulier le génocide des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire sur la Vierge? La consécration de la Russie à son cœur immaculé n'a pas empêché en tout cas la guerre menée par elle à l'Ukraine, qui fait rage maintenant, pendant qu'on enregistre cette vidéo, et qui joue du soutien plein et entier du patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe. Le 13 juillet 1917, la Vierge aurait confié des secrets aux enfants. Le premier est une vision de l'enfer. Dans ses mémoires, Lucia raconte « Nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises, transparentes et noires ou bronzées, ayant forme humaine, qui flottaient dans l'incendie. » Soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes en même temps que des nuages de fumée, tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Ce doit être en regardant cette vision que j'ai dû pousser ce « aïe » que l'on dit avoir entendu de moi.
Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparentes, comme des charbons noirs embrasés. Effrayés, comme pour demander secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. » La bienveillante Vierge Marie remplit d'épouvante trois jeunes enfants et nous sommes priés de n'être très heureux pour eux. Lucia explique dans ses mémoires que la petite Jacinta fut hautement terrifiée. Je cite « La vision de l'enfer la remplissait d'horreur à un tel point que chaque pénitence et mortification n'était rien à ses yeux, si seulement cela pouvait empêcher des âmes d'y aller. » Dans son film « M et le troisième secret », M c'est pour Marie, Pierre Barnérias, connu pour son documentaire conspirationniste Hold Up, relate comment la Vierge donne aux enfants une vision de l'enfer qui les traumatise, après quoi le journaliste expédie le sort des deux plus jeunes enfants en 9 secondes montre en main. La Vierge en profite pour annoncer à François et à Hyacinthe qu'ils vont bientôt la rejoindre au paradis. Les deux petits bergers sont ravis, ils meurent deux ans plus tard de la grippe espagnole. C'est toute la compassion à laquelle ils ont droit. Ces deux enfants vont pourtant subir une fin atroce. Pour plaire à la Vierge, les enfants se fouettent avec des orties. Ils s'assoivent sans autre raison que de souffrir pour la conversion des pécheurs, au point que Jacinta fasse un malaise. Quand elle n'en pouvait plus, la petite, qui avait accès à de l'eau potable, buvait volontairement de l'eau croupie dans des flaques où se baignaient les animaux. Jacinta devint insatiable dans la pratique du sacrifice. Elle s'en inventait sans cesse, de nouveau. En août 1917, Lucia trouva une corde et eut l'idée de la diviser en trois pour s'en servir d'instrument de torture. Dans ses mémoires, elle raconte « Regardez, cela fait mal. Nous pourrions nous l'attacher à la taille et offrir à Dieu ce sacrifice. » Cet instrument nous faisait souffrir horriblement. Jacinta, parfois, laissait tomber quelques larmes à cause de la gêne que la corde lui causait. En septembre, la Vierge leur dit qu'il était excessif de dormir avec la corde, mais elle leur demanda de la garder pendant la journée. Alors que la grippe espagnole ravage toute l'Europe, elle touche la famille des voyants. Francisco tombe très malade, puis c'est le tour de Jacinta. Elle ne s'en plaint pas. Et alors qu'on l'emmène dans le premier hôpital, en parlant de Jésus et de Marie, elle dit « J'aime tant souffrir par amour pour eux. » Ajoutant « Ils aiment beaucoup ceux qui souffrent pour convertir les pécheurs. » Proche de l'agonie, elle refuse la nourriture qui lui plaît, dans le seul but d'offrir ce sacrifice au Seigneur. Francisco Marto meurt le 4 avril 1919, à 10 ans. Sur son lit de mort, il offre ses souffrances pour consoler notre Seigneur et convertir les pécheurs. Jacinta accumule une bronchopneumonie et une pleurésie purulente. On l'opère pour lui retirer deux côtes, mais elle meurt 8 jours plus tard, au bout d'un an de souffrance, le 20 février 1920. Lucia affirme que lorsque Jacinta devint trop faible pour s'infliger le supplice, la corde qu'elle lui confia sur son lit de mort était encore maculée de son sang. Ces disparitions laissent perplexe quant à la façon dont s'y prend la Vierge Marie pour emmener des enfants au ciel. Les catholiques, qui font des petits voyants des exemples de piété, idéalisent le comportement pathologique d'enfants terrorisés que l'on a conduit à aimer la souffrance pour avoir le droit de se dire une bonne personne. L'adoration de la douleur expiatoire des autres est une valeur chrétienne qui a peut-être mené Jacinta Marto à se torturer à mort avant d'avoir atteint ses 10 ans. Non seulement aucune preuve de quoi que ce soit de surnaturel n'a été fournie sur les événements de 1917 à Fatima, mais en plus nous assistons au drame de la superstition de masse qui enferme des enfants dans un mensonge qui les encourage à souffrir, à s'affaiblir, à mourir ou bien à se cacher au couvent. Pendant que l'Église engrange les profits du regain de foi superstitieuse, créé dans une population qui sera d'autant plus facilement manipulée ensuite par le régime autoritaire du dictateur ultra-catholique Salazar, lequel s'aligne sur la théologie de la douleur omniprésente à Fatima pour justifier son pouvoir durant un règne de 36 ans qui débute en 1928. De l'histoire de Fatima, osons tirer une leçon en gardant la religion éloigné de nos enfants. But feel in the Holy Ghost, yes. That means you're speaking in tongues. He wants the money what you give him. The red wine. Bye-bye.
He went on Pentecost, Bernadette, Mississippi, Jesus, thank God. La légende de la danse du soleil de Fatima plaît à beaucoup. Elle offre une raison de plus de croire en Dieu. Elle nous dit que les humains ne sont pas seuls face à leur destinée, mais qu'ils sont guidés par des êtres supérieurs. Cette envie d'être guidé, d'appartenir à un plan à large échelle, de se fier corps et âme aux décisions d'une puissance ineffable, voilà qui semble bien peu compatible avec l'émancipation des consciences, avec la liberté de penser, d'imaginer, d'inventer et de trouver des solutions concrètes aux défis qui se dressent devant nous. Croire au miracle, c'est espérer que la Providence nous épargne les conséquences de notre inaction. C'est un pari dont la dette pèsera sur les générations futures autant que la légende de Fatima a coûté aux trois petits bergers de 1917.